Bonjour à tous! Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu plus informelle que celle que je fais d'habitude. Je vais parler de ce qui se profile pour moi sur l'année 2021. Sur le blog, donc super-freelance.com, vous allez retrouver un article plutôt bilan. Donc je parle de ce qui s'est passé pour moi en 2020, notamment des impacts du Covid et des événements de ma vie perso sur mon activité professionnelle. Et du coup j'avais envie aussi de me projeter sur 2021. Pourquoi je fais ça? C'est pas pour vous raconter ma vie, c'est parce que je trouve que c'est important de vous pousser à faire le même exercice. D'avoir d'un côté un regard un peu sur le passé en se disant bon, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui me convient? Qu'est-ce qui me convient pas? Qu'est-ce que je peux faire mieux pour la suite? Du coup, ça permet aussi de se projeter sur l'avenir et de se dire sur l'année qui arrive, quels sont mes objectifs? Quelles sont mes envies? Qu'est-ce que je vais faire pour que ça fonctionne? Qu'est-ce que je vais faire pour concrétiser tout ça? Alors, pour moi, ça va être en deux parties parce que j'ai deux activités. J'ai mon activité historique, on va dire, depuis 2015 de prestation de services, donc en tant que consultante en stratégie digitale freelance. Et j'ai une deuxième activité qui est donc super freelance, dans laquelle j'aide des freelances et des futurs freelances à réussir leur démarrage et à développer leur activité. Alors, je vais commencer par mon activité freelance, qui est normalement la plus proche de la vôtre. Donc, pour moi, les objectifs sur 2021, sachant que c'est ma sixième année, c'est bien sûr de consolider les liens que j'ai avec mes clients existants, sachant qu'il y en a pas mal dans le tourisme et donc c'est important pour moi de les fidéliser dans ce moment qui est un peu compliqué. Voilà, c'est important pour moi d'être là pour eux, de montrer que même dans les moments plus compliqués, ils peuvent toujours compter sur moi. Voilà, ça c'est très important pour moi. Bien sûr, j'ai envie de continuer à développer ma clientèle, toujours dans le tourisme et aussi sur les organismes de formation, parce qu'il y en a plusieurs qui font appel à moi, qui me font confiance. Et puis aussi sur tout ce qui est réseau de franchise, parce que j'aime bien les réseaux de franchise, c'est des problématiques d'automatisation un peu différentes, hein, qui m'intéressent beaucoup aussi. Voilà, donc ça, c'est la partie vraiment que je veux continuer à stabiliser. Tout en gardant du temps quand même sur mon activité super freelance. Et là, c'est vrai que, en fait, il faut vraiment que j'aille sur des missions qui me plaisent beaucoup, qui me plaisent parce que le sujet m'intéresse, parce que le client est sympa, ça c'est très important aussi, et parce que c'est un secteur d'activité pour lequel j'ai de l'affection, on va dire, sur lequel j'ai de l'intérêt. Pourquoi? Parce que ça va faire 6 ans que je suis freelance, c'est important de garder toujours un nouveau souffle, de garder de la créativité et de garder de la motivation. Donc voilà pour mes objectifs 2021 sur cette partie-là, maintenir mon chiffre d'affaires. Parce que je veux pas forcément travailler. Je vais même travailler un peu moins pour mes clients et plus pour les freelances. Donc maintenir mon chiffre d'affaires avec des clients et des missions qui me plaisent vraiment beaucoup pour rester toujours au top, toujours motivée. Ensuite, sur la partie super freelance, il y a plusieurs choses. Déjà, je veux maintenir mon rythme de création de contenu qui a un peu évolué en 2020. Je veux continuer à vous proposer un jeudi sur deux une vidéo. Je veux continuer relancer un peu plutôt le blog avec un article tous les mois et tous les lundis il y a un midi sur YouTube Live, la permanence des freelances. N'hésitez pas à vous y connecter lundi prochain pour me poser toutes vos questions sur le freelancing. J'ai également envie de continuer à faire des webinaires. En 2020, j'ai été sollicitée par plusieurs partenaires, par Shine, par l'expert comptable, par Malte, par d'autres personnes qui m'ont proposé d'intervenir sur leur podcast, sur leur webinaire, sur leur chaîne YouTube. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'adore parler de freelancing, je pense que vous l'aurez compris. Et puis, pour les semaines où j'ai pas forcément un contenu que je publie sur internet, je laisse pas sans rien les abonnés de ma newsletter. Donc depuis quelques mois, je leur envoie un mail avec des conseils qui sont exclusifs, qui leur sont réservés, que vous n'aurez pas si vous n'êtes pas inscrit à ma newsletter. Donc voilà, ça je vais poursuivre parce que c'est hyper intéressant, ça me permet de générer énormément d'échanges. Donc si vous voulez en profiter, inscrivez-vous à ma newsletter. Pour ça, il suffit d'aller sur super-freelance.com. Donc ça c'est la partie contenu. Mais je veux continuer à développer mes offres de mentorat, donc de séances individuelles avec des freelances qui ont envie de progresser. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, vous allez découvrir le programme de ma formation pour réussir votre création d'activité freelance. C'est une formation qui sera éligible CPF, finançable par votre Pôle emploi par exemple. Voilà, mon objectif c'est de rendre mon aide accessible au plus grand nombre et c'est une formation qui alternera à la fois de la vidéo, des documents à remplir de votre côté, qui vont vraiment vous aider à construire votre activité, hein, comme votre business plan, comme des documents pour réfléchir sur votre offre, et qui aura aussi des séances
en one-to-one avec moi. Voilà, le but c'est vraiment que vous puissiez très rapidement lancer votre projet et que ça fonctionne vite. C'est vraiment ce que je souhaite parce que bah, je trouve que être freelance c'est vraiment top. Pour moi c'est le mode de vie idéal et je souhaite que toutes les personnes qui ont envie d'y accéder puissent le faire. Et j'ai un livre qui sort bientôt. Il va s'appeler Le guide du développeur freelance. Il sera édité chez Erol. Ça fait un moment que j'en parle. Il devait sortir fin 2020. En tout cas, c'est ce qui était marqué sur notre contrat avec l'éditeur. Mais en fait, 2020, ça a été une année compliquée pour les éditeurs parce que les librairies ont fermé à plusieurs reprises. Donc forcément, les plannings de sortie, ils ont vachement été bousculés. Du coup, voilà, le guide du développeur freelance, c'est un livre pour tous les développeurs qui sont salariés aujourd'hui ou étudiants et qui ont envie de se lancer en freelance. Donc on va voir toutes les étapes à suivre, comment construire vos offres, tout ça. Et puis, si tout fonctionne bien, il y a d'autres livres qui doivent arriver par la suite pour les autres métiers. Donc ça, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, qui m'a pris énormément d'énergie et de temps sur 2020, et je vais être hyper contente quand je vais le voir sortir, et j'ai trop hâte de le voir déjà dans les librairies. Et puis, en parallèle, je vais continuer mes partenariats aussi, parce que c'est important pour moi de pouvoir vous aider aussi dans le choix de vos outils, parce que quand on est freelance, on a toujours des décisions à prendre. Choisir son outil de facturation, choisir son comptable, tout ça, c'est pas des choix qui sont toujours très faciles, donc je vais vous aider là-dessus. Donc je vais poursuivre les partenariats, et puis ces partenariats me permettent aussi de vous fournir du contenu hyper fiable, hyper carré sur ces aspects administratifs qui sont pas ceux sur lesquels je suis la plus experte. Donc ça, c'est ce qui va se passer pour moi en 2021. Il y aura sûrement des imprévus, c'est sûr, et j'espère parce que c'est bien aussi d'improviser. Mais en tout cas, j'ai une direction qui est très claire pour moi, que je vais pouvoir suivre, qui me permet de me fixer des objectifs et qui me permet d'avoir des actions en face pour les atteindre. Voilà, j'espère que ça vous aidera à faire le même travail et en tout cas, j'ai hâte de vous retrouver pour 2021 avec plein de nouveaux contenus.